Oh bordel! Qu'est-ce qui se passe? On vient de recevoir une lettre et un certain Seishin aurait financé un moyen de transport pour atteindre rapidement l'IOP. Et alors, c'est positif, non? Non, vraiment pas. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui, on va tester Anosamodas. Ouais. Bon, c'est pas une classe que j'apprécie particulièrement et pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très forte. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo avec les K-Flip, je déteste les classes qui sont trop simples à jouer. Pour ce qui est de l'élément de notre Samodas, on va commencer par la voix haut. Je verrai si je ferai d'autres vidéos avec d'autres voix, mais déjà la voix haut, vous allez voir qu'elle envoie du pâté. Pour ce qui est de la stratégie du combat, je vais jouer avec le premier crapaud de la voix haut qui est le crapaud mélanique. Retenez bien son nom parce que niveau dégâts, il envoie du lourd. Pour ce qui est du stuff, on va pas uniquement mettre des statistiques. Comme on a l'habitude, il va nous falloir des dommages hauts, étant donné que les dommages hauts donnent plus de dommages aux invocations. Allez, trêve de blabla, passons au combat, mais avant ça, je souhaitais vous remercier tous. J'ai remercié Seishin dans cette vidéo, mais j'aimerais vraiment tous vous remercier. On va bientôt changer d'année, et aussi loin que je regarde en arrière, celle-ci a été incroyable, et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos pouces bleus sur la dernière vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas redemandé, et forcément, bah, quand on demande sur YouTube, il y en a pas mal. J'en profite également pour vous dire que vous êtes très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien appuyé sur ce petit bouton, ça peut paraître tout bête. Mais ça m'aide à plein de choses. Allez, passons au combat. Salut YouTube, on est contre un Yop. 35% de résistance, 75% de résistance fixe. Alors je suis sur un tournage maudit. Alors on le retiendra. Apparemment, j'ai passé mon tour alors que je gagnais un combat juste avant de l'enfer. Comme ça, ça arrivait. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je suis même le premier choqué. Choqué et extrêmement déçu. Et bon, c'est la vie. Hop, donc on va favoritisme, on va ponction. On a notre tour un petit peu parfait. Lui va se mettre. Avec nous. Non, peut-être pas. On n'a pas envie qu'il vienne mettre des dommages Mais il ne mettra pas de dommages. Moi, je crois en lui. Croyez en lui, vous. Vous aussi. Bon, au pire, c'est pas grave. On peut le réinvoquer. C'est juste que le favoritisme, c'est important. Ok, il va tuer l'informo, alors ça c'est parfait, ça c'est vraiment, ça c'est, ça quel plaisir, c'est littéralement ce qu'on veut. Alors il a tellement de résistance aussi, on va vous montrer des dégâts dégueulasses, je suis désolé YouTube, pardon, mais c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Bon, il est boosté, alors nous on va booster aussi, hein. Il est temps quand même de faire des petits damages. Derrière, on est déjà en état 1, donc là ce qu'on va faire c'est que, on aurait pu geyser sur le mélanique, mais c'est un peu du hint, hein, là il faut quand même qu'on tape un peu. On va faire ça. Ah, j'ai envie de résistance naturelle aussi, mais... Je pense que, honnêtement, je pense que les trois quarts des gens sont en mode, ah, c'est lui la vraie menace. Et du coup, c'est positif pour nous, hein, parce que là, regardez... On va faire ça et on va le pousser un peu, quand même, histoire qu'on puisse le taper tranquillement. Et on va le tacler aussi, si on peut. Voilà, on le tacle un peu, parfait. Et lui, donc, va lui mettre la sauce. Alors, n'oubliez pas, on est sur 33%, 75 résistance fixe. Et on n'a pas mis 150 de pute. Ça va, le gap? T'as passé une bonne journée ou pas? Genre, je sais pas, hein, genre... après, on peut en discuter, si tu veux, hein, mais... Bon, Osao, c'est quand même sacrément débile, hein, genre... quand je passe pas mes tours contre des adversaires... Effectivement, bon, j'ai pas sorti le Dofus Ivoire, j'ai 10% de résistance R, donc ça me porte préjudice sur certains combats. J'ai envie de vous dire, parfois... assez simple, hein, ce jeu vidéo. Hein. Il nous cherche au contact, j'imagine, le coup de cac, l'apprécie pour essayer de nous tuer. Eh, hey, ça peut passer peut-être, hein. Peut-être passer... Oh, je suis peut-être mort. Non, je suis peut-être pas mort quand même, faut peut-être pas déconner. Ah, 549, ça passe pas, ah, 39 points de vie, bien sûr. Pourquoi à chaque fois que je fais le malin, je tombe presque dans le ravin, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu vidéo, là? Bon, arrêtez tout, hein. Moi, je vous demande de vous arrêter, cher ami. Pas facile, hein, la vie, c'est pas facile, hein. Bon, après, on notifiera qu'il avait quand même pas mal de dégâts, hein, le monsieur. Alors, on va le mettre invulnérable pour éviter qu'il résiste à la vie, bien sûr. Hop, on va lui cracher dessus, un peu. Parce que, bon, on est en Osa, on crache sur tout le monde, donc j'ai envie de vous dire. Hein. Ça tape combien, le truc à distance? Ça tape combien? Ça plus de 288, ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Super, super YouTube, super game, bien sûr. On est contre un héliotrope, il est visiblement full d'air, hein, vu son arc à l'œil, hein, clairement. Et par contre, on n'a pas beaucoup de résistance, donc ça va être assez dur. Lui, il n'en a pas beaucoup non plus, donc on va pas s'en plaindre. Alors, on va faire notre tour en classique, le petit tiers qui mène un geyser. Ok,
qui nous mène à l'invocation de notre petit crapaud, du favoritisme, de la ponction sur celui-ci, et logiquement on est plutôt bien. On va se placer ici histoire de lui mettre de la pression, on est contre un héliotrope, il faut qu'on avance vers lui, histoire de lui mettre full dégâts hein, le plus vite possible. Mon mélanique, peu importe où il est, on s'en fout, faut qu'il soit à 3 cases pour qu'on puisse le taper. Et on a dit qu'on mettait l'ascendant crapaud, qui est assez cool parce qu'on peut le rappel. Ça nous coûte rien, mais par contre ça nous rend 3 PA, et ça c'est plutôt cool pour pouvoir faire un tour full rush. Donc, on va partir là-dessus. Il va se booster, sûrement passer au travers des portails. Ça m'étonnerait qu'il fasse autre chose. Yes. Flamish pour booster. Pour booster en Dofus turquoise. Après, il est en turquoise, donc bon, pourquoi pas. Et il est en Cap de Ricarel également. Cap de Ricarel, ça nous fait un peu chier. Oui, non, parce qu'on va, on va essayer de le taper le plus rapidement possible. Les portails, cher ami, tu as oublié les portails. Il a oublié les portails, cher ami. Alerte rouge, il a oublié les portails. Alors attendez, parce que moi j'ai envie de vous dire. Les portails, moi. Alors moi j'adore ça, hein. Je sais pas si vous adorez ça, mais moi j'adore ça vraiment. Alors attendez, parce que en fait. Alors je peux pas à moins des vues le monsieur, hein. C'est compliqué. Par contre, je peux booster lui, hein, pas de problème. Les portails, bon, monsieur. Monsieur l'agent, genre, sachez... Ah, peut-être qu'il me tacle, mais non, il me tacle pas, donc on va plutôt passer de l'autre côté. Par le plaisir. Par contre, j'ai peur qu'il y ait un sort qui se lance pas au cac. Donc attendez, on va faire un truc, on va le pousser de 1. Je sais que tous les sorts se lancent au moins à 2 cases. Je pourrais le faire comme ça. Bon, tous lancer au contact, donc ça ne change pas grand-chose. Hop, et là, bah écoute, bon, monsieur, vous avez une Ricarel, j'en ai rien à faire, en fait. Hein, genre, vous dites ça à mon avocat, en fait. What the fuck. Non, non, monsieur, il faut arrêter d'ouvrir les portails, hein. Faut arrêter d'ouvrir les portails. Non, non, faut arrêter, hein. D'ailleurs, c'est une... Effectivement, c'est une Rick mini-bioté. Oh, il faut arrêter de faire des choses bizarres, hein, monsieur. Il faut vraiment arrêter. Pourtant, il a un très bon stuff. Il a beaucoup de thunes et tout, mais... Bah, il a suffisamment de thunes pour mini-bioter une Rickarelle. Donc, j'ai envie de vous dire... Oh, bah, c'est... c'est pas mal d'argent, ça, hein, tout ça. Mais, mais là, monsieur, bah non, hein. Bah non, on est cheat, monsieur. Bon, là, on va se prendre très cher quand même parce qu'il doit être bien stuffé, voilà, littéralement. Hein. On a 34% quand même. Et là, écoutez, bon, ce que je vous propose, c'est que genre, c'est la police. Je ne vous tue pas avec mes invocations, c'est la police, je viens vous arrêter contre Nosamodas s'il y a des moments, voilà. Hop, on arrête tout. On arrête. J'ai envie de vous dire, j'en ai marre. Hein. Hop, on va faire ça, notre petit tour classique court. On va mettre notre petit pote, hop, il est très beau, il est magnifique. On va pouvoir faire ça, le ponction, super. Ensuite, là, il va pouvoir passer son tour, l'informo, il va pouvoir mettre la pression, c'est parfait. Parfait, quel beau tour. Il est cool hein, quand même comme tour. Il est très très cool comme tour. J'avoue que il est clean hein, comme tour. Par contre, t'as intérêt... Oh mais attends, mais là je le trouve à 100% en fait. Monsieur l'agent, qu'avez-vous fait là encore? Rendez-vous compte que je vous vois. Ah oui, il s'en fout. Ah ouais, on est contre Jean-Michel, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est incroyable ça. Salut à tous. Bah salut à Jean-Michel en tout cas, bienvenue à lui. Ah ouais. Le problème c'est que bon, on va rappeler hein, parce qu'on veut clairement taper... Hop, tiens, on revient ici toi, hop. Pif. Paf, y a plus de musique, au secours, vite, la musique pour les combats, oui. Et là, oh mais on se transforme même. J'aurais dû me transformer après avoir... Ouais mais je pouvais pas, ça. Et là on va mettre Sixte. Oh non. Je me suis transformé. Mais oui. Mais c'est ça. Non mais c'est. Non mais quel calvaire dans jeu vidéo. Mais quel débile. Oh, mais j'en peux plus de ma vie. Hein. Vraiment, j'en peux plus de ma vie. Hein. Oh, j'aurais pu lui faire payer. Mais là, l'addition ne sera pas assez salée. Mais je crois que je le tuais. Mais je crois que je le tuais. Mais je me déteste. Mais attendez, mais je peux me transformer au tour 2. Ouais, si je le tuais pas, c'était pas grave, ça revenait au même. Attendez. Oh, Julien. 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 Je sais pas où il est.
Attends, on va mettre Jean-Michel là pour... Julien. Oh, la vie est si belle. Alors le SRAM, ça va? Tu passes une... Oh, mais il a pris 0. Tu passes une bonne journée. Non, il meurt, je crois. Ah, je crois... Et là, il meurt 100%. Alors, monsieur, vous passez une bonne journée? Attends, j'ai bien tapé ici, hein. Oh, il était là, putain, j'ai failli me louper. Ah bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, hein, parfois la vie elle est incroyable, hein, parfois on s'amuse sur ce jeu vidéo, et là on s'amuse, alors là je vous assure qu'on s'amuse. Putain, c'est trop fort. Trop simple ce jeu vidéo, trop simple. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot chaussette dans les commentaires, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.